Salut tout le monde. Salut les sorciers. Bonsoir pour ce petit live exceptionnel avec un doux son dans mes oreilles depuis 5 minutes maintenant que je vous partage avec grand plaisir le son d'un menu Wii qui tourne en boucle. Qu'est-ce que c'est agréable. En tout cas, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un live un peu exceptionnel. On n'avait pas pu le prévenir à l'avance parce que il se trouve que c'est des situations qui c'était pas prévu qu'on ait un live gaming ce soir. Mais voilà, je suis dispo et j'ai envie de jouer. Et donc je me suis dit pourquoi pas lancer enfin un petit live gaming sur Harry Potter 7.1 sur Wii. Voici la jaquette. Un jeu de tir FPS, hein, ils ont un peu quitté le monde de l'exploration RPG des premiers opus dans les jeux vidéo. Ils ont voulu innover avec le 7.1, ça a été un flop considérable, un échec total. Personnellement, moi j'y ai joué une seule fois dans ma vie, à un niveau. Je n'ai jamais fait le jeu en entier et du coup je me suis dit que c'était l'occasion, je l'ai acheté l'occasion là. C'était l'occasion de refaire le jeu depuis le début et de le découvrir avec vous. Pour les nombreux gens qui n'y ont jamais joué, puisque je peux totalement le comprendre. C'est. Voilà. Alors je vais baisser un peu le niveau sonore pour que vous entendiez quand même ma voix par-delà le jeu. Donc je joue avec une vraie manette Wii. Manette et Nunchuk. Je ne triche pas. Et je vais donc, on va découvrir ça. Alors, ça va évidemment, on va pas faire tout le jeu ce soir. Hein, je suis pas complètement fou, mais on va avancer directement dans le jeu et je compte bien aller jusqu'au bout avec vous pour le découvrir entièrement. Voilà. Donc moi, ça va vraiment être une totale découverte pour le début exactement. J'ai fait un niveau. Qu'est-ce que c'était encore? C'était le niveau de présentation du jeu à un salon de jeux vidéo. Voilà, alors. J'ai plus de dragon à cette manette, malheureusement, la rythme ancien. Profil 1, super. Qu'est-ce que le menu est bien dégueulasse comme il faut. Alors on va jouer. Allez. Allez. On se lance en difficile. Si c'est totalement l'enfer, ce sera bien mérité pour moi. Alors déjà, on peut écouter l'émission Potterveille. Que vous connaissez notre hôte, Miss Charity Burbage, adoratrice des moldus et de toutes leurs coutures. Assez de gens. Je vous laisse évidemment profiter de cette magnifique. Ce soir. Il y a eu beaucoup trop d'erreurs commises au sujet de Harry Potter. Cette nuit, je vais tuer Harry Potter en personne. Très bien. Tout le monde est prêt? Bon. Une fois arrivé au terrier, tout ira bien. Et si jamais on se fait attaquer en chemin, avec tous ces Harry Potter? Les mangeports ne pourront pas savoir qui est le vrai. D'accord. Comment résumer en trois phrases le début du film? J'aime beaucoup. Attention!
Ok. Ah. Ok. Donc, bon, ok, c'est un jeu de tir, hein, ça je le savais très bien. On a vraiment les mécaniques du jeu de tir. Ah, ça va être l'enfer de pointer avec la baguette. On peut tirer des stupéfixes en boucle avec B, mais on peut zoomer avec Z pour avoir des sorts un peu plus puissants. Très bien. Sauf que enfin, ouais, la visée, c'est vraiment un. J'aime beaucoup comme les mangements font. Et tombent de balai comme des crétins. Oh, vous hésitez. Ok, vous hésitez pas à me dire si le son est trop fort, si le. Quoi? Où ça? Ah, c'est vraiment l'enfer au niveau de la visée avec les manettes Wii. Surtout que, évidemment, je n'ai pas calibré du tout. Ah, on peut traverser la grille, c'est très bien. Je n'ai pas du tout calibré les capteurs au-dessus de mon écran d'ordinateur. Donc, ils sont pas du tout adaptés. Ça va être. Je me complique la vie encore plus que le mode difficile là. Hein, je sais même pas où ils sont. En plus, je joue donc sur un demi-écran puisque j'ai à côté le chat. Bref, ça va être très marrant. Je sens que ça va être un enfer complet. Je ne vois pas. Ouais, totalement, ouais. Bon, mais par contre, celui-là, j'arrive pas à le décimer. Attends, il y en a un derrière aussi? Ah, ouais. Ah, tu vas mourir! Ah, il est repassé devant. J'espère que le couloir est très long parce que je suis pas prêt de les tuer encore. Hein, j'arrive pas à les toucher là. Ah, voilà quand même. Et du coup, le deuxième, il est là. Ah! Ah! Quoi? Non, on me dit pas que ça recommence. J'ai perdu là? Ok, c'est ça, c'était une défaite donc. C'était donc l'équivalent d'une défaite, très bien. C'est très clair. Oh, tu es sûr, toi? C'est quand même magique comme les mangements font de la marche arrière sur balai volant pour repasser derrière toi. Ah, échec de la mission. Ok, je suis encore mort. Super. Ah oui, je vois ma barre d'énergie. Ah, en fait, déjà, je vois pas la barre d'énergie à cause du menu de l'écran en haut. Ce qui est pas pratique pour savoir quand je vais perdre.
C'est à chaque fois de plus en plus rapide, c'est bien. Donc ce soir, on va faire uniquement ce niveau-là en boucle. Voilà, je vous annonce. Où t'es là? C'est infernal. J'essaie de me concentrer un peu parce que c'est mais totalement l'enfer. Déjà, on a tenu plus longtemps que la deuxième essai là. Mais là, je prends ultra cher de nouveau. D'accord, donc nous en fait j'avais réussi la phase du tunnel. Ok. C'est juste que tu te retéléportes au même endroit que la première fois quoi, pour la suite. C'est... super. Ah, et on se retéléporte encore une fois? Attends, quoi? Ok. Bon. Est-ce que je peux taper vraiment Voldemort avec des stupéfixes comme un con comme ça? Ils sont où là? Je sais pas si mon but c'est vraiment taper Voldemort ou si je dois juste éliminer Mangemort. Ah ouais, non, j'ai vraiment chopé Voldemort. Il faut faire pas appuyer sur A, faut faire parler des mots. Ouais. Ok, il fallait vraiment choper Voldemort à coup de stupéfix aussi. Bon, mais ça va, j'ai quand même passé ce premier niveau, tout va bien. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'augmente le son, que je baisse le son, etc. Parce que j'essaie de trouver un bon truc, mais. Ron, vite, il revient à lui. Waouh. Où je suis? Où est Hagrid? Et où est Voldemort? Calme-toi, Harry. Hagrid va bien. La qualité d'image est quand même exceptionnelle. Tout va bien. Pour l'instant. Il faut que je parte. Je mets tout le monde en danger. Du calme. Tu dois absolument te reposer après tout ça. En plus, on est coincé ici jusqu'au mariage. Le mariage? De Bill et Fleur. On voulait t'en parler, mais tu étais un peu inconscient. Va donc te préparer. Mais tu vois bien qu'il n'est pas en état pour l'instant. Prends ton temps, Harry. Reprends tes esprits. Ah ouais, donc. Tu as raison. Ce n'est qu'un mariage. Rien en comparaison de la quête des Horcruxes. Dumbledore est mort. Et nous devons terminer ce qu'il a commencé. Nous devons détruire Voldemort. J'aime beaucoup les résumés en voix off sur des plans d'images fixes pour pas avoir trop d'animation à faire. Ça m'est égal.
Tellement la rythmancière. Est-ce qu'on pourrait parler de ça plus tard? Non, Hermione, il faut faire le résumé. Il faut résumer l'histoire, sinon les gens ne suivent pas le jeu. Bon. Ok. La vache, ça se transmet de père en fille. Qui est cet homme? Le père de Luna, Xenophilius. Allons le saluer. Il a toujours soutenu Harry, contrairement à la Gazette qui fait mine d'ignorer la vérité. Et puis, c'est peut-être notre dernière chance de parler à Luna. Ça me fait bizarre de penser que les autres seront de retour à Poudlard seulement. Ok. Plus. Super. C'était un petit. Et je le revois. Voilà. Plus ça fait un petit chemin à suivre. Super. Alors. Qui on a par là? Des gens qui ne parlent pas. Très bien. Ah, une non-française à Beaubaton. On peut pas envoyer Stupéfix au milieu du mariage, je suis assez déçu, je dois dire. Qui on a ici? Très bien, très bien. Moi je reconnais aucun de ces invités du mariage. Hein. J'aurais bien aimé savoir trouver les Weasley, les jumeaux ou quoi. Je suppose qu'on va les voir après. C'est gentil de m'avoir invité. Il y a quand même beaucoup de gens qui se ressemblent sans être des jumeaux. Bon, monsieur. Bonjour, monsieur Lovegood. Ah, vous devez sans doute savoir, monsieur Potter, que l'équipe du Chicaneur a toujours soutenu Dumbledore au cours de sa longue vie. Et dans les morts, et qu'elle vous soutiendra de la même façon. Merci. Luna est là? Elle doit se promener dans cet adorable jardinet qui, je dois dire, est superbement infesté de plantes. Ou, pour utiliser le véritable nom, de Gernumbly Gardens. Vous pourrez féliciter Monsieur Weasley pour son beau jardin. Il vous cherchait pour vous parler. Merci. Oui. D'accord. Ok. Donc, je dois trouver Monsieur Weasley. Allez. J'ai pas vu où il partait le sort. Là-bas. Ok, très bien. C'est magnifique. Vous avez drôlement bien fait les choses. Donc pour l'instant, on a deux sorts. On a Stupéfix et on a le sort des 4 points pour t'indiquer où tu dois aller dans le jeu. Parce que comme dans un mauvais jeu vidéo, sans un truc qui t'indique où tu dois aller, tu ne sais rien de ce que tu dois faire. Où est-ce qu'on va commencer à chercher les Horcruxes? On sait même pas à quoi ils ressemblent. Déjà, Dumbledore en a trouvé deux. Il y a la bague. Et le médaillon. Oui, mais c'était pas le vrai, je me trompe. C'était une copie parfaite. Le vrai médaillon est quelque part. Le vrai Horcrux. D'accord, donc de nouveau des petits dialogues pour t'indiquer ce qui s'est passé avant. Qui on a ici? Je connais quelqu'un qui est allé à Beaubaton avec elle. Vraiment? Très bien. Alors. Des gens qui se baladent, tout va très bien. Ok. Ah. Il est par là, monsieur. Monsieur Weasley, on va voir Arthur qui est dans son garage. Ce serait pratique. Monsieur Weasley, vous vouliez nous voir? Normalement, le sortilège des 4 points, il te dit juste où est le nord. Hein. Après, tu te démerdes. Ah, c'est Weasley qui nous lègue des trucs. D'accord, introduire Scrimgeour, c'était trop long. Sa copie du livre Les Contes de Biddle le Bard. Et à toi, Harry, il lègue le vif d'or qui t'a valu ta première victoire au Quidditch. C'est super. Il t'a aussi légué l'épée de Godric Gryffondor. Mais le ministère maintient que Dumbledore n'a pas le droit de la léguer. Enfin, peu importe, puisque l'épée reste toujours introuvable. Explique-t-il pourquoi il nous lègue ça? Malheureusement, non. Bien. Que diriez-vous d'aller ranger tout ça dans vos chambres et de rejoindre les invités? Nous avons un mariage à fêter, pas vrai? D'accord, c'est... C'est les contes de Biddle le Bard. En quoi ces contes pour enfants vont nous aider à trouver les Horcruxes? Je sais pas. Vous voulez peut-être...
que ce sont des indices? On doit tirer un feu d'artifice avant le mariage? Le ministère est tombé! Le ministre de la magie est mort! Ils arrivent! Allez, on reprend une petite phase de combat. Non, petit chargement. Termine les affrontements dans n'importe quel ordre pour pouvoir continuer la quête de Harry. Ok. Tous aux abris. Ok. Donc, je me mets à l'abri derrière des bottes de foin. Super. Et puis... Très pratique ces sorts qui traversent les protections de paille. Est-ce que les sorts dans la tête... Oui, les sorts dans la tête tuent plus vite les gens. Très bien. Ah, je dois rejoindre, je dois quitter ça. Allez, casse-toi, Harry. Ah, c'est de l'autre côté, merde. Déjà, ça part mal. Moi, je vais aller dans les gens. Il fait mieux ce qu'il veut. Mais non, mais il est mort en plus. Puisqu'ils ont fait tout en un seul jour. Donc, bon, c'est clair que. On aurait eu le. Oula. Ils nous auraient fait Scrim jour à prendre les trucs et puis le ministre est mort, on n'aurait pas compris non plus, mais... Bon, mais tu veux pas te cacher? Voilà, cache-toi. Ok... Allez, on peut se casser ou pas? Ouais, on peut se casser. Où sont les autres? Harry, il faut partir. Je ne partirai pas sans aider tout le monde. Ok, là il y a de nouveau des bols de foin. Ça sent le combat. Donc on a pris un nouveau sort, le Protego. Est-ce qu'il va être vraiment utile ou est-ce qu'on peut simplement bourriner les gens en tirant à travers les arbres? Hello Alice. Ok. Vous croyez que vous savez qui va rappliquer? Alors qu'est-ce qu'ils vont? Ah, il est des potions de régénération sanguine et de l'essence de Murlap. Très bien. C'est bien que les mangements se baladent avec ça. Alors, c'est dans l'autre sens. Ah, j'avais pas vu les méchants. Et ben voilà, j'ai passé le niveau 1, j'en suis au niveau 2, c'est fantastique. De toute façon, j'ai un peu l'impression de faire la même chose au niveau 1 qu'au niveau 2. C'est-à-dire courir et tirer sur des gens. Tout.
Bon, je vais tenter du coup le protégo. Ok, le protégo ça sert à rien du tout. Faut quand même les tuer, donc bon. Ça sert totalement à rien. C'est exactement ça, c'est le bordel. Tu tires un peu partout. Ah. Et t'es elle-même qui te répète en boucle la même chose. Alors je suis en mode difficile hein, pour ceux qui nous rejoignent là maintenant. Voilà, je me suis dit quitte à faire. Ah. D'accord. Genre. Où sommes-nous ? T'arrives au moment d'un gros combat, tu te dis que tu vas pouvoir les affronter. Non. C'est là que ça fait une petite téléportation. Très bien. Genre, tu pouvais pas. T'avais tué déjà 15 000 mange-morts, mais les trois derniers là, c'était trop compliqué, il fallait fuir quoi. Tu sais que c'est... personne ici peut être un mange-mort. Comment saurait-il que nous sommes là? Ils ont su nous retrouver à chaque fois. Et les journaux moldus parlent de catastrophe. Mais nous, on en connaît la cause. Bonsoir. J'ai ta cape d'invisibilité, Harry. J'ai cru qu'elle pourrait servir. Tu penses qu'ils s'en sont sortis, Terrier? Les membres de l'ordre étaient là. Ils les auront protégés. Tu crois vraiment qu'il y a des mange-morts ici? Mieux vaut être sûr. Pas vrai? Ah, donc je peux mettre la cape avec deux. Très bien. Vérifie si le vendeur de journaux est un mange-mort. Je ne sais absolument pas où je vais. Oui, j'ai compris que je vais pas heurter les gens, mais... Bon, ça par contre ça me fait pas découvrir. Je peux lancer un sort. Ah. J'ai frappé quelqu'un? Non, j'ai plus l'impression. Je peux lancer un sort de localisation et ça y a pas de souci. Et j'en remarque pas quoi. Ce n'est pas un mange-mort. Ok. Bon, donc maintenant on retourne près d'Oron. C'est super cette mission. Juste pour lui dire que le vendeur de journaux n'est pas un mange-mort. C'est vraiment le truc. Je suis sûr qu'il attendait de savoir, mais c'est ça avec impatience. Ok. Comment je pouvais savoir qu'on partait? J'ai jamais été doué en divination. Ce n'est pas de la divination, mais de la prévoyance. Ok. Il faut un plan pour nous sortir d'ici. Le tueur de journaux est un moldu. Voilà. On n'est jamais trop prudent. Et qu'en est-il de cette femme? Tu lui as parlé? Ils sont sérieux là? Oui, je viens. Tu vois quelqu'un de suspect? La seule autre personne présente. Tu vois quelqu'un de suspect? Cette femme là-bas, avec sa pancarte. Ou la bouche de Ron. Putain, la mission, ok, quand on doit pas tirer en boucle sur des gens, on doit. Ils ont voulu faire de l'infiltration un petit peu, avec la cape d'invisibilité. Mais genre, infiltration vraiment. Vraiment à chier, quoi. Scénario sur droite, exactement. Et puis
Ce n'est pas une manche mort. Allez, va dire à Ron que ce n'était pas une manche mort. Quoi? Comment ça? Pourquoi je me suis fait repérer? Eh, j'ai pas cogné de gens? Oh putain. Bonsoir ciel. On est d'accord, il y avait personne qui m'a heurté. Pourquoi est-ce qu'ils me font chier avec ma cape? Ouais, c'est de là d'où je venais en plus. Les nargoles. Ah, c'était ça. Alors. Ok, blablabla, ça n'est pas une manche mort. Parce qu'elle vend des haricots, donc c'est sûr. Ce n'est pas une manche mort. Les mangements ne vendent pas des haricots. Alors, je retourne dans l'autre sens. Bon, je vais éviter de passer par le trottoir parce que visiblement ça me fait bugger. Donc. Ah, c'est peut-être ce con là qui est passé entre les deux voitures et qui m'a frappé sur le côté. Mais quoi? En plus, on peut même pas passer les. Putain. Même pas passer les petites scénographies. Je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup ça me détecte. Alors, est-ce que c'est parce que ça fait trop de bruit à côté des gens que je dois rester immobile comme un con? Il est déjà cette heure-là? Vous pensez qu'on a encore le temps de venir? Tous ces étranges orages me rendent. Vous croyez qu'il va faire beau? Si c'est le cas, il y aura beaucoup de monde. Les gens aiment bien parler, en tout cas, aiment bien parler de la météo, visiblement. Voilà, allez, on se retape un petit truc. Ouais, on est d'accord, il y avait personne en... J'étais au milieu de la route. Bon. Donc, visiblement... Ça me détecte, donc je vais passer par un autre chemin. Je vais rester plus loin de ce monsieur. Quoi? On est d'accord donc que c'est à chaque fois ce type-là qui me détecte. Maintenant, d'expliquer pourquoi. Je n'y arrive pas encore. Putain, je suis vraiment resté loin du type. Tu vois quelqu'un de suspect? Ta gueule. Avec sa pancarte, elle regardait dans notre direction. Je veux simplement. Vous croyez vraiment qu'on pourrait s'en sortir? Oh oui, ils ne comprennent vraiment rien. En fait, il y a d'autres gens en cape d'invisibilité qui sont invisibles et donc je les heurte. Simplement, je savais pas qu'ils étaient là. Tout le monde a une cape d'invisibilité à Londres dans les rues. Je croise totalement des gens. Ce n'est pas une manche mort. Bon, ok. Oui, la bouche de Ron est assez flippante, je suis bien d'accord. Bon, moi je vais passer dans les colonnes là. Ah merde, je peux pas continuer jusqu'au bout ici. Alors je vais attendre qu'il passe en restant totalement immobile parce que ce mec. Et... Regarde, est-ce qu'il va me détecter en passant à côté? Non, là tout va bien. Ok. Ok, lui maintenant il va marcher dessus. C'est enfoiré. Putain. Il fait vraiment des petites boucles hein, le mec. Il passe entre les voitures. C'est vraiment
C'est vraiment Ruzar dans la bibliothèque dans le troisième jeu, quoi. Qui fait... Quoi? Mais d'où? C'est une purge. Putain, on est au troisième niveau et déjà c'est un enfer, mais pas parce que c'est difficile et qu'il y a des trucs à gérer. C'est un enfer juste parce que des gens te détectent comme ça tout seul. Tu ne comprends même pas ce qui arrive. Putain, j'étais à trois pas de Ron, ça me saoule. Blablabla. En plus, franchement, ne pas pouvoir passer une animation, c'est quand même la base d'un jeu. Ou quand tu. Surtout un jeu Die and Retry du genre. Où tu recommences souvent la même mission, bah tu dois pouvoir passer les animations de merde. Hein. D'accord. J'ai perdu la cape, mais ça va, ça m'a pas fait détecter. Voilà. Je passe ici, on est très heureux. Là, il n'y a personne, on est d'accord. Pas de raison que je perde la cape. Tout va bien. On va y arriver. Oui. Harry porte encore la trace. C'est peut-être comme ça que les mangemorts nous repèrent. La trace disparaît à l'âge de 17 ans. Et Harry n'a pas été en contact avec des mangemorts pour qu'ils essaient. Mais quelque chose trahit notre présence. Allez. Celle avec la pancarte est une moldue. Il semble qu'on a semé les mangemorts. Ok. On va voir le café du coup. Soit cas d'invisibilité aussi ou... Oui, hein, on va faire ça. J'ai pas envie de reperdre la mission juste parce que j'avais pas mis la cape cette fois-ci. Il est où le café? Il est là-bas. Bon, avant c'est les gens. Oula. Ok, c'est ici? Oui, c'est ici. Non, René et Hermione, tu peux leur rentrer dedans. Ils font tiens, quelqu'un d'invisible est passé par ici. Ah non, même pas. Ils font ah, il y a eu un gros coup d'air. Bon, comme dit Ron. C'est trop dangereux. Ouais. Avec Voldemort à la tête du ministère, aucun de nos lieux habituels n'est sûr. Il est un peu con, Ron, quand même. Hein. Restons ici et mettons une stratégie. Genre, on va aller au Chaudron Baveur, quoi. Et. Oh, mais tiens donc. Ça a été efficace. Harry ? Allez, allez, pointeur. Ah, maintenant j'ai une roue des sorts, super. Et j'ai que stupéfix. Ah, mes sorts sont maintenant plus puissants. Super. C'était un combat vraiment passionnant. Square Grimoire. Je pensais pas y revenir. Honnêtement, on est d'accord qu'actuellement, il y a que des animations. Enfin, il y a eu ouais, la scène d'infiltration, mais sinon, c'est que des animations ou du tir dans le tas, quoi. Enfin, je pense que ça va être ça tout le jeu, hein, mais c'était à peu près ce que je m'attendais. Je crois que j'avais fait. La scène de démo, ça devait être celle du terrier que j'avais dû faire. Super, ils sont que c'est mieux qu'on les mangements de type feu. J'adore. De l'ordre pour protéger la maison. Les mangemorts n'étaient pas censés être ici. Non. Et être au courant que Harry serait transféré non plus.
Même temps, ils avaient tout dit sur la jaquette, hein. La guerre des sorts commence, affronte les mangemorts de Voldemort et terrasse de terrifiantes créatures magiques. Tu pouvais pas te planter sur ce que c'était, ce que tu allais faire, hein. Moi, j'ai un petit peu envie d'explorer le 12 Quagrimoires. Donc là, on a la petite. Ah, mot de passe de Potterveil. Attends, on va écouter Potterveil. Il est où? Objet récupéré, contrôle d'émission, objet récupéré. Potterveil. Ah, les copains de Potter. Et tout de suite, je donne la parole à Rapierre pour les copains de Potter, notre populaire rubrique destinée aux amis de Harry Potter. Nous avons appris au cours des dernières heures que Rubeus Hagrid, le garde-chasse bien connu de Poudlard, a échappé de peu à une arrestation dans l'enceinte de l'école où, selon la rumeur, il aurait organisé chez lui une fête sur le thème « Soutien à Harry Potter ». Hagrid n'a cependant pas été capturé et serait en fuite. Je suppose qu'avoir un demi-frère de 5 mètres de haut est assez utile quand on essaie d'échapper aux mangemorts. Disons que ça présente un certain avantage. Mais notez bien que, même si l'équipe de Potterveil salue l'état d'esprit de Hagrid, nous vous conseillons fortement de ne pas suivre son exemple. Dans le climat actuel, donner une fête de soutien à Harry Potter n'est pas la chose la plus sage, surtout avec tout ce qu'on a pu entendre à propos du ministère et de ses gangs de rafleurs. En effet, pour tous ceux qui ne seraient pas au courant, le ministère a engagé des équipes de rafleurs pour traquer et capturer toute personne entrant dans la catégorie indésirable. Un terme qui ne risque pas de s'appliquer à nous, au vu du nombre insensé de petites amies que nous avons eues. Il est vrai que vos joues bien pleines et vos moustaches font à tabac rongeur. Tout à fait, Tentacula. Tentacula? Bref. Nous adressons un salut particulier à tous les sorciers et sorcières injustement taxés d'être des indésirables. Quant à ceux dont le portrait pourrait illustrer la définition d'indésirable dans le dictionnaire, Dolores Umbridge. Malfoy, votre tour viendra. Ah ouais. Pas de mal. Ah non, mais elle écoute pas en boucle. Donc, bon, ça c'est sympa qu'il y ait des petits trucs à retrouver. Allez, je vais essayer de trouver quand même du positif à ce jeu. Du coup, j'ai un peu envie d'explorer le Quagrimoire, même si ça va être un calvaire d'exploration, ouais. Ah, là, déjà, il y a une porte fermée, super. Ici, non. Oh, le petit hall, j'ai envie de monter à l'étage, voir un peu ce qui s'y passe. Bon, on a les petites têtes, ok, ça tout va bien. Est-ce qu'on aura le portrait de... Non. Là. Est-ce qu'on peut rentrer dans les chambres? Non. Est-ce qu'on peut tourner la tête? Difficilement, visiblement. Ouais, ok, on peut pas rentrer dans les portes. Et l'étage est complètement fermé. Ok. Ok, ok. Donc, l'exploration, moi qui espérais explorer un petit peu, ça ne va pas être très très long. Bon, franchement, j'aime bien le côté. Je croyais qu'il y en avait plus. Ok. Trouve du doxycide pour te débarrasser des doxy. Voilà, c'est ça les créatures maléfiques dont il parlait sur la jaquette, je suis sûr. Bon. On est d'accord que le doxycide, il a l'air d'être derrière les doxy, là. Ouais, non, ils sont totalement insensibles à ça. Alors, je ne vois pas la roulette des potions, moi. Ils disent d'utiliser la... Ah, voilà, doxycide. Ok, donc... Je vais reprendre du doxycide. Super. Je prends. Je me retourne, s'il te plaît, Harry. Retourne-toi! Oui! Oh merde.
Ok. Alors, on va regarder quand même les nouveaux sorts. Hein. Parce que pour une fois que Harry ne lance plus que des Stubbix. Ok, ça c'est la mitraillette quoi. Ah, maintenant on peut fouiller la maison. Super, donc on allait dans la cuisine juste pour se faire attaquer par des doxy en fait. Genre, il voulait pas du tout aller dans la cuisine de base. Il voulait juste, juste avoir un petit combat. Ouais, c'était plus sympa. Vous pensez qu'on est seul ? Les sortilèges jetés par l'ordre devraient nous protéger. Alors. Donc, fouille la maison, c'est fouille la pièce qu'on a ouverte. Allez, retourne-toi, putain, Harry. Oh la galère. Voilà, ok, on a ouvert une pièce de plus. C'est celle-ci, c'est merveilleux. Ah, on a des petits doxy qui reviennent. Et... Je comprends pas les potions, j'ai l'impression. Ah, je suis mort. D'accord, très bien. Les potions que je leur lance chaque fois, ça foire complètement, on est d'accord. Donc je les tue quand même au final avec des sortilèges. Donc je me demande à quoi ça sert vraiment ces potions. C'est un peu des modes grenades, hein. D'accord, que ça fait. Allez, retourne. Ah mais la galère pour se tourner, c'est un enfer. Hein. Ah bah sans t'augmenter, c'est une bonne nouvelle. Putain. Donc voilà, je vais quand même faire un peu le point sur les deux sorts que j'ai, hein, parce que ça a l'air super important. Stupéfix, c'est un petit sort. Alors déjà, il est bleu maintenant. D'accord. Un petit sort. Impedimenta, c'est donc une petite mitraillette. Quand je reste appuyé dessus, ça tire plusieurs balles. Et je peux surtout le mitrailler en mode mitraillette. Parce que donc oui, on est bien dans un FPS. Hein, c'est un jeu de tir à la première personne. Ces initiales étaient dans le faux Horcrux que j'ai trouvé avec Dumbledore. Regulus Arcturus Black, le frère de Sirius. C'est lui qui doit avoir trouvé le vrai Horcrux. Un fragment de l'âme. Si on retournait à la cuisine. Créature. J'ai autant confiance en cet elfe de maison qu'en Malfoy. Créature vivait sous les escaliers. Je suis sûr qu'il est là. Je rêve où on a entendu le cri de créature qui disait qu'il avait le médaillon. Ou bien c'était totalement... Il vivait sous les escaliers. Alors... Ok, t'es dans la cuisine. Vous revoilà dans la maison. Créature. Régulus avait un médaillon, pas vrai? Où est-il? Créature ne sait pas. Mais tu l'as déjà vu? Créature ne parle pas au sang de Bourbe. Créature ne veut pas trahir son maître Régulus. C'est moi, ton maître. Donc oui, c'est bien un FPS clairement, donc les différents sorts ont des effets d'armes à feu. Y a les grenades, du coup les potions c'est plutôt des effets grenades. On a le protégo évidemment pour se défendre. Où est-ce qu'il est ? C'est inutile Harry, il est habitué aux ordres et aux cris. Il faut essayer autre chose. J'ai envie de dire que Créature, le personnage, bon,
pas là, hein, mais c'est le personnage le plus ressemblant. On est d'accord que là, ça a fini là. Juste pour que je puisse lancer un nouveau dialogue en lisant je te donne le médaillon. Ouais, c'est ça, Kratos, c'est vraiment le mieux fait de tous. Nous voulons détruire le vrai médaillon. Mondagus Fletcher, c'est lui qui a pris le médaillon. Et il a des dents réussies, contrairement à Ron. Non, mais il faut souligner les points positifs. J'essaye d'être positif. Je sens quand même que ça va être... Allez, on peut repartir fouiller pour réaffronter les Doxy. Super. Je sens que ça va quand même être vraiment une purge jusqu'au bout, quoi, ce jeu. Allez, retourne-toi. Ah, un épouvantard, on va prendre le Ridiculus. Dites-moi qu'on va prendre le Ridiculus. Ou le Spear ou Patronum parce que c'est un des tracas. Mais c'est ce que je faisais, hein, Patronus, là. Donc le Patronus c'est le même bouton que Protego mais quand il y a des détraqueurs quoi. Alors, allez. Il me bouffe mon énergie plus vite que Ron vide le chariot de friandise du Poudlard Express. Allez, sors de là, putain. Si tu veux pas sortir, moi je me casse, hein. Et regardez ça! Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dois faire d'autre que ça? Parce que je veux bien, hein, mourir en boucle en affrontant des trackers. Mais il me semble que... Tant que le Détraqueur est pas là, je peux pas commencer à lancer le Patronus. Et quand le Détraqueur est là, il me vide mon énergie en à peu près 1 centième de seconde. Il faut pas en attendre non plus des... Putain, y a pas moyen de... Ouais, tu vois, il y aurait moyen de choisir le spear au patronome, mais je me préparerais avant, mais là... C'est le même bouton que le protego, il faut maintenir, et je ne comprends pas... Allez, putain, sors de là. J'étais obligé de t'approcher de ouf. Ok, et du coup,
Ça va durer combien de temps ces petites hein? Je suis perplexe. Si quelqu'un a la moindre solution à me proposer pour cette mission, pour cette ce combat de merde, je prends, mais de suite. Déjà, visiblement, m'enfermer là-bas au coin, c'était pas la bonne solution. Mais parce que sérieusement, je ne... Il était à 4 mètres de moi, moi ma barre d'énergie elle descend. Là, vous la voyez pas complètement, ma barre d'énergie elle est non, là-bas au-dessus, tout au-dessus, un peu cachée par les réseaux sociaux de la Gazette. Mais elle descend à une vitesse, même à 4 mètres de distance de moi. Ouais, j'ai envie d'écouter le portrait de la mère de Black. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que c'est le seul truc que je peux faire. Hein. Et actuellement, je ne vois pas comment le faire. Ok. On ressent même pas qu'il a mal ou quoi avec... Ah, j'ai trouvé un nouveau truc. C'est quoi ça? J'ai trouvé un nouveau sort. On sent même pas qu'il... On voit même pas qu'il a mal, qu'il est affecté par le Patronus qu'on lance. Il recule pas, il... Enfin, c'est vraiment une... Il y a rien qui nous fait croire que... Ouais, ça, on est d'accord de toute façon que ça aurait été mieux de faire un Ridiculous. Protego. Mais non, c'est pas Protego que je veux. Est-ce que c'est le jeu qui me dit des conneries et qu'en fait c'est pas... D'accord. Ok, je le comprends, donc je ne lançais pas des spéros patronum, je lançais des protégos depuis le début. Puisque le spéros patronum n'est donc pas... Ok, bon, ça va être beaucoup plus simple du coup. Tout va bien. Le spéros patronum, ce n'est pas à maintenir C comme ça s'affichait, c'est... Bon, je dis que ça... Ok. Ah bon, mais maintenant que j'ai tué ce petit détraqueur épouvantard, je vais pouvoir retourner en bas dans la cuisine. Donc, Spéro Patronum, ce n'est donc pas maintenir C, ça fait un protégo. C'est appuyer une fois sur C. Et puis réappuyer une deuxième fois pour faire exploser ton sort de Spéro Patronum. Lâchez-moi! Bonjour Harry Potter! Oh, mais qu'est-ce que Spéro Patronum? Voilà, c'est une grenade. Une grenade à détection en fait de Spéro Patronum. Et Dobby est venu pour aider. Débarrassez-moi de ces selfs de maison! Allons asperger les toxines. Quoi?
Il y a des doxies? Pourquoi il y a des doxies maintenant encore? Attends. Je ne comprends pas le retour de la cuisine, mais il y a un bug dans l'histoire là. Ils nous ont ramené mon Ingus. Et genre nous, on en a rien à foutre, on veut aller asperger des doxies. What? Et où ça? Où est-ce que je dois... Des suggestions? Essaie de lui jeter un sort. Ah. Impedimenta! Impedimenta! Ouais, bon, je vais attendre qu'il se retèle par de l'autre côté parce que... Impedimenta! D'accord. Protego! Je tente le spéro patronome. Ah oui, quand même. Débarrassez-moi de ces maudits elfes de maison. Vous avez pris un médaillon. Où est-il? Quoi? Il a de la valeur? Vous l'avez toujours? Non. Il se dit qu'il aurait pu le vendre plus cher. Le ministère m'a obligé à le vendre. C'est une vol pure et ça. Ombrage, qu'elle s'appelle. Ombrage? Oh, ombrage? Maintenant que je vous ai tout dit, vous allez me laisser partir. Ombrage a un nouveau poste important. Elle passe sa vie là-bas. On doit entrer au ministère. Ce médaillon est le seul horcrux que nous connaissions. Il faut le récupérer. C'est... Ouais. C'est génial, hein. Bon. Allez. Hermione a raison, Harry. Ils sont sans doute aux aguets. T'as une meilleure idée? Il va falloir aller en reconnaissance pour découvrir quel est le moyen le plus sûr. Ah, de la reconnaissance! C'est ça qu'on voulait! What? Quoi? Quelle est cette magie? Quel est ce... Pourquoi c'est intervenu tout d'un coup et que je suis obligé de sélectionner un truc? What the fuck is that? La forêt est un endroit dangereux, prépare-toi à rencontrer un de ses habitants les plus féroces, échappe-toi de l'antre du dragon. Super! Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça vient faire au milieu du... Ok, il y a un dragon au-dessus de nous. Pourquoi quand j'explore le 12 Quarry Remor, il se passe ça? Dragons sont insensibles au sortilège. Très bien. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être des quêtes secondaires, mais je vois pas pourquoi tout d'un coup ça arrive. Ça arrive dans la mission en fait. Enfin, pourquoi il nous parle d'aller espionner le ministère pour savoir comment s'infiltrer dedans, et pouf, tu te retrouves à. Échappe-toi de l'antre du dragon. Alors. Et je sens que ça va être encore une super mission. J'aurais dû choisir les moldus à sauver. Là au moins je savais que c'était juste mitrailler les sorts. Ok, merci la caméra. J'aime ce que tu fais pour moi. Non mais je ne comprends pas. Ok, mais on pourrait passer là au-dessus en fait. On va cacher là. Pas se cacher là. Non, on peut juste crever, on peut pas se cacher. Ok. Bon, là maintenant. Je
Je ne suis pas mort. Et j'ai une potion explosive. Je suppose que je dois lui lancer une potion explosive sur la tête. Elle a pas explosé ma potion explosive. Et j'en ai plus. Je n'ai toujours pas. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen de revenir? Non. Bon. Mais si j'échoue à celui-ci, je vais essayer une autre démission. Hein, mais je. Donc. Cache ça derrière. Jusque là, ça va. J'attends qu'il atterrisse. Je vais chercher ça. Je me fais toucher, mais je survis. Je me recache là derrière. J'attends que ma santé remonte. Et je meurs. Ok. Ce n'était pas donc ça. On est reparti. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas acheté la saga Animal Crossing? Parce que ils avaient arrêté... Oh putain, en plus, ça arrive. Mais arrête de crever comme un couillon, putain. Et si je me casse? Ouais, retour CB, c'est pour quitter le menu. Oh là, je vais tenter un autre truc, hein, genre la station abandonnée. Parce que donc la station abandonnée, ouais, c'est celle-là qui met en avant sur la jaquette. C'est le truc avec la centrale nucléaire où je me suis demandé qu'est-ce que ça venait faire dans le jeu. Bah, donc voilà, je le sais maintenant. C'est donc une quête secondaire de sauvetage de Moldu, prise d'otage. Tout ce qui est de plus normal. Alors il y a une petite... Ah, il y a une potion là. Ah, la poudre d'obscurité instantanée du Pérou. Très bien. La potion explosive, super. Et puis... C'est là-bas que je dois aller. Très très bien. Ben allons là-bas alors. Tam tam tam, il y a un truc de... Oula. Ah, ça me va planer. Ok.
Ah, j'ai une petite potion de force encore. Alors, où aller maintenant? Non, cette zone ne veut rien dire. C'est, ça n'a aucun sens. C'est juste... Ah, je suis mort. Très bien. Bon, je dirais que j'allais me cacher là-bas derrière. Alors, la zone ne veut rien dire, la caméra est pas terrible. Ok. Je vais. Ah oui. Je me suis fait exploser une. Une potion explosive directement sur la gueule, très bien. Ok. On dirait un Anderson. Non mais c'est tellement ça, c'est bon, on a voulu vous mettre un mode... un mode de tir dans tout ce qui bouge, mais ce que je comprends vraiment pas, c'est pourquoi ça intervient maintenant. Enfin, c'est vraiment le truc qui me... Non, c'est bon, ils sont doucement là. Il y a encore des... Ah là. Ah, ils étaient pas tous morts. Bon, il veut pas mourir lui. Putain, il se prend 3 IPD-Menta dans la gueule. Ok. Ah, Harry Potter Lego, oui, mais ça il est très très bon. Et on a présenté en juin Lego Dimension qui a aussi pas mal de qualité. C'est clair. C'est clair que là c'est pas le même niveau. Déjà, est-ce que je peux savoir où je dois aller? Ah, je dois retourner. Ok, je dois retourner par là. Est-ce que je vais arriver à rentrer dans l'usine à un moment? Ah, y a pas de doute. Lego HP, il est fantastique. Je récupère plein de potions. Mais c'est exactement ça. D'accord, mais... Ah, j'ai un gant étrangleur, j'ai récupéré. Un gaz étrangleur. Ok, c'est ça. Poudre d'obscurité, potion explosive et d'oxycide. Donc ça, ce sont les 4... vous voyez, les 4 potions. Ah oui. Pour rappel, pour ceux qui ont loupé ce combat épique contre le Détraqueur... Le Sphère Patronum est une grenade explosive. Où est-ce qu'on va après? Ah, on rentre dans le truc là. Alors tout le monde a vu ces images normalement. C'est les images de présentation du jeu. Mais si tu veux bien, Harry, si tu veux bien te cacher là ce truc. Alors, allez, on va tenter la potion explosive, deuxième essai. Est-ce que je vais encore en mourir? Oui! C'est super!
le bleu qui bourre dans le tas. En même temps, t'avais le type là au milieu. Je pensais au début je lui tirais dessus, puis en fait c'était visiblement un des moldus que je dois sauver. Et soyons honnêtes, depuis le début c'est un peu un jeu de bourre dans le tas. Hein. Parce que là je veux bien rester longtemps comme ça, mais ils apparaissent pas les méchants. Voilà. Là tu peux plus reculer. Donc à part venir te cacher ici. Ce qui, avouons-le, n'est pas une excellente cachette, mais. Vous n'êtes pas une. Non, il faut pas faire de lancer. Ah, je pense pas, non. Non, ils disent appuyer sur manip plus pour choisir la potion et puis utiliser B pour la lancer. C'est ce que je faisais sur les doxy en tout cas. Ah, je vais peut-être essayer les gaz étrangleurs après. Ah, tu vois, les gaz étrangleurs ça fonctionne. Ah, ça fonctionne. L'autre aussi ça fonctionnait, c'était juste que. Ok. Allez, mais je veux me cacher derrière un autre truc là. Voilà. Ah non. Non, c'est le moldu toujours. Est-ce qu'on est d'accord qu'on retrouve les mêmes problèmes de caméra que sur un jeu PS1? Je peux changer de sort, mais j'ai comme seul autre sort stupéfix qui, pour l'instant. Je ne vois pas un grand. Ah, voilà. Petrificus totalus. Ok, avec Petrificus totalus, je me fais déglinguer la gueule. Attends, est-ce que ça fait quoi? Pétrification, ouais. Ok. Ok, c'est de la merde, Petrificus Totalus, on est d'accord. Putain. Oui. Non, ouais, visiblement, bon, j'ai réussi à lancer des potions. Le moldu, les deux moldus, ils attendent que j'ai tué tous les méchants pour dire. Et en fait, nous, on était des moldus, ils viennent nous sauver. Putain, il fait une mitraillette là l'autre. Oui, ok, vas-y, casse-toi. Ah, c'était pas si compliqué. Alors. Oh! Putain, ça c'est. Non mais, sérieusement? Bon, on est d'accord, les méchants ils apparaissent genre à côté de moi quoi. Quand même un peu de l'abus. Ah, Félix, super, je sais pas ce que ça fait.
Mais ça doit être bien. Ça arrive genre à la fin du combat quand tu sais plus trop. Ok. Ah oui, maintenant je dois libérer les moldus. Pardon. Merci. Merci beaucoup. Ok. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on écoute le deuxième épisode de Potter Veil? C'est dans objet récupéré. On va écouter une deuxième émission de Potter Veil, voir s'ils ont plein de trucs intéressants à nous dire. S'il veut bien qu'on descende. Ah voilà. Wolfric. Parlons à présent de la biographie d'Albus Dumbledore, rédigée par Rita Skeeter. En avez-vous un exemplaire, Rapierre? Bien sûr. Et je le recommande chaudement à tous ceux de nos auditeurs qui seraient à court de mouchoirs. D'après ce qu'on en dit, c'est bien le seul usage de ce livre. Plus sérieusement, est-ce que vous pensez que Dumbledore a vraiment fait toutes les choses que décrit Skeeter? La réponse est non. Plus tard, dans l'émission, nous vous donnerons des conseils sur comment utiliser le livre de Rita. Papier d'emballage, chiffon à vitre, cale-porte ou remplacement de petits bois pour allumer un feu. Mais avant cela, Rapierre va vous proposer quelques nouvelles petites astuces de survie. Essayez de vous procurer de la potion Félix Felicis. Et il faut déjà avoir de la chance pour en trouver. Cette potion dorée, qu'on appelle aussi chance liquide, peut transformer la pire des journées en un rêve éveillé. Bonne chance à tous et souvenez-vous, restez branchés et vous ne serez jamais seuls. J'allais exactement parler de ça. Voilà, ça tombait bien qu'on ait le petit truc de sur la vie, les secrets d'Albus Dumbledore. Puisque c'est donc le titre du troisième Animaux Fantastiques. Ah! Putain, et cette caméra aussi. Tu veux pas te cacher là derrière? Comme l'impression que l'air bloque les tirs au-dessus de cette planche de bois. Comme si... Comme si c'était une protection supérieure à ce qu'elle devrait être. Ah, quand même, un qui meurt. Ok, deux qui meurent. Ah, il y en avait d'autres, je me disais aussi. Ah, mais c'est ce que je disais tout à l'heure avec le premier extrait de Potter Veil. Le fait qu'il y ait des petits trucs à trouver et que ça soit des petites références comme ça, c'est plutôt. Ça, c'est plutôt sympa, hein, en vrai. Ça fait des petits retrouvables un peu. Alors, ça change des cartes de chocobrenouille, clairement. Et l'idée des mots de passe Potter Veil est sympa. Donc il y a aussi des chicaneurs et des gazelles sorciers du coup. Encore. Non, mais quand est-ce que ça va finir? Okay. Chouette, des grenades. Ils se sont même pas cachés de faire un jeu de tir. Hein. Quand ils te mettent des potions explosives, je suis désolé, mais c'est... Ils ont avoué, quoi, directement.
C'est con. Harry, tu ne sais pas tirer au-dessus d'une barricade. Ah, tu vas me dire, eux non plus, hein, ils savent pas. Ah, voilà. Eux, ils savent pas non plus tirer au-dessus d'une barricade, puisque je suis quand même. Ma tête dépasse de 20 cm là. Ok, allez. De nouveau, oui, de nouveau. Bah, est-ce que le livre sort beaucoup plus tard? On sait pas trop, puisqu'on sait pas quand se passe cette scène. Merci. 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 Voilà, et donc on va rentrer là-bas au-dessus, je suppose. Monter. Ah, non. Ça va me faire partir par là? Oh non, un des tracards. La glace disparaît petit à petit, donc je suppose que oui. Ah non. Putain, mais... Ok. C'est bon? Quoi? Oh putain. Ok. Allez, allons délibérer ce dernier moldu là. On a déjà eu un combat ici, je sais plus. Pourquoi il veut plus lancer un sortilège? Je sais pas où je... Ah là. Ok, donc on n'avait pas encore eu de combat ici, c'est bien ce qu'il me semblait. Bah si, c'est là où je viens. J'ai déjà ouvert le coffre là. Pourquoi je repars en arrière? Ah. Pour ça. Ok, je vais aller partir par là. Très bien. Où est ce foutu dernier moldu? On me tire dessus là? Ah oui, on me retire dessus de là-bas. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce combat à un moment. Je peux ressortir ici. Bon, elle est où? Ok, ils me font vraiment repartir au début, là, on est d'accord.
J'ai loupé un émoldu à sauver au début. Alors la différence entre les sortilèges, Impedimenta, quand tu maintiens appuyé, ça fait mitraillette. Petrificus Totalus, ça prend 4 plombes à être envoyé. Donc, dans un jeu de bourrinage, c'est de la merde. Et Stupéfix, c'est le sort de base qui ne fait pas mitraillette, mais que tu peux quand même envoyer plutôt régulièrement. Au patronum, c'est le sort explosif. Protego, c'est le sort qui ne sert à rien parce que tu ne passes pas ton temps à te protéger dans ce jeu. Stupéfix, ils me l'ont. Je l'ai upgradé à un moment. Ils m'ont dit que mon stupéfix était. Mes sorts étaient devenus plus puissants. Je sais pas si c'était tous mes sorts ou juste mon stupéfix. C'était quand je tirais avec le stupéfix qu'ils m'ont dit. Ok. Non, je sais pas par là que je dois aller. Je sais pas où je dois aller. Ah, il était là le dernier. Merci. Ok, est-ce que j'ai fini cette super mission? Et je peux pas faire. Putain, il faut vraiment faire toutes ces missions. Donc on est obligé de réussir les trois pour avancer. C'est de la merde. On peut. Donc pour ceux qui nous rejoignent maintenant, sachez que donc on en est au moment où Hermione nous dit qu'on doit trouver un moyen d'infiltrer le ministère pour voler le médaillon ombrage. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? On affronte des rafleurs qui arrêtent des sorciers. Voilà. Ah mais c'est pire que de la merde là, honnêtement. Je sais pas pourquoi je me suis engagé à faire ce jeu jusqu'au bout. Et d'un côté je suis content d'avoir mis le mode difficile parce que... Je peux dire si le mode difficile me permet d'avancer en bourrinant comme je le fais, bon ok je meurs parfois de temps en temps sur certains petits trucs. Ben quand même je me dis que... Qu'est-ce que c'est le mode facile quoi? Ah mais c'est gentil eux. Ok. Je ne vois plus Harry. Cette caméra.
Je ne sais plus où regarder. Je suis en train de perdre. Ok. Et du coup, ça... Ouais. Est-ce qu'il y a une fin à ces combats ou... Que je veux bien tourner sur moi-même et tirer dans le tas tout le temps, mais. Oui, il y a des modes de difficulté au tout début de... Ok, il me reste plus que le dragon à affronter. Au tout début du jeu, t'avais facile, moyen ou difficile. J'ai mis difficile parce que je me suis dit que j'allais essayer de m'amuser un petit peu. Voilà. Je rattrape rapidement les commentaires parce que là, dans ce mode bourrinage, j'avais arrêté de vous lire. La négation de cet homme est incroyable. Mais voilà, je suis maso sans doute un petit peu, mais surtout j'ai envie de vous faire pour essayer mais après de sortir j'ai formulé. Et le pire, c'est que j'ai acheté le 2 aussi pour quand on aurait fini le 1. Voilà, parce que on ne s'arrête pas en si bon chemin. On a encore des heures de plaisir et de souffrance devant nous. Donc on est de retour contre le dragon. Troisième et dernière quête annexe machin à faire. Mais celle que je n'ai pas compris. Donc ça va être amusant. On est d'accord que tant que je suis là, je ne suis pas blessé. Il s'arrête, genre, un petit peu. Je vais attendre qu'il reparte. Je crois qu'il faut pas... Qu'il faut juste que je me casse, en fait. C'est ça? Genre que j'arrive à passer dans ce trou-là. Ok. Ok, je veux bien le comprendre. Bon, donc je vais m'arrêter derrière la même truc qu'avant. Putain, Harry est aussi Harry est un putain d'incapable. Ok, il s'arrête. J'avance vers le deuxième truc. Objectif grotte. 3, 2, 1, c'est parti. Eh ! Je crois que c'était plutôt bien vu. Après, je suppose qu'il y en a un deuxième. Voilà. C'est ça qu'on aime. Est-ce que vous croyez que si je lance de la poudre d'obscurité instantanée du Pérou, c'était peut-être pas très bien lancé. Là.
Oh putain, mais j'en ai rien à foutre des potions explosives en plus. Je vais essayer d'en tirer un petit peu. Pour libérer de la place pour d'autres potions intéressantes. Mais ce qui est triste, c'est que j'ai plus ma cape d'invisibilité. Mais qu'est-ce que Harry fout dans l'antre d'un magar? Sauver des moluches, pourquoi pas, c'est pas très si, mais c'est moi. Okay. Oui. Ah, mais parce qu'il y a aussi sûrement des gens à sauver. Parce que c'est bien connu, dans l'antre des magars, il y a aussi des rafleurs. Toudoum, toudoum. Je rappelle que le monde s'appelle la forêt interdite, je crois. Hein. Ah, encore un petit magar. C'est ça, hein. C'est la forêt. On prend une mission. Ah, les grottes obscures, pardon, j'ai rien dit. Alors. On reprend. On essaie de regarder là où on va pour aller se cacher. Là, on se dit qu'on va se cacher derrière ce rocher après. Ok, personne, on y va. Ok, et donc après, objectif, on se casse. 3, 2, 1, on se casse. Aïe. Objectif, on se casse, est un échec. Puisque je ne sais pas exactement où je pars, là-bas. Ah, un coffre. Ah, on a un exemplaire de la Gazette du Papier, cool. De la Gazette du Sorcier, putain, je sais même pas dire le nom de mon site. Gazette du Sorcier, c'est parfait. En souvenir d'Albus Dumbledore. C'est tout? C'est genre juste ça. Y a pas moyen de faire avancer le texte. C'est un peu court, non? Non? C'est moi qui ai raté quelque chose? Je peux pas. On est d'accord, je peux rien faire à part le retour. Ok, bon, les trucs Potterveil c'est bien, les gazettes du sorcier c'est un peu nul si c'est ça. Hein. Je m'attendais à une image, un truc un peu stylé. Alors qu'est-ce que... Bon, il est là devant. Ok, on va aller là derrière après. Aïe. Trop téméraire, je vais m'arrêter à la première. Ah, une potion anti-feu, c'est plutôt pratique face à un dragon. Je suppose que donc je peux courir jusque là-bas. Voilà, avec une potion anti-feu, c'est beaucoup plus facile. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah. Ok, on écoutera le truc de Potterveil après. Hop là. J'aimerais juste... Bon, trouver où je dois aller, par là. Oui, j'ai beaucoup trop d'attentes, mais je suis comme ça, un éternel optimiste. Non mais vraiment, les trucs de Potterveil m'avaient un peu hypé, je m'étais dit, cool, ils ont fait des objets récupérables intéressants. Et puis... Est-ce que c'est fini du coup? Est-ce qu'il fallait juste sortir de cette grotte? Oui! Mais c'est fantastique! Donc voilà, ces trois missions totalement en lien avec la saga Harry Potter m'ont visiblement permis de trouver comment m'infiltrer au ministère de la magie. L'entrée du ministère est derrière la bibliothèque publique. Un peu plus loin dans la rue. C'est totalement logique. L'accès est gardé et on ne peut pas transplaner.
Mais on peut pas y aller comme ça. On va nous reconnaître. L'Horcrux est là-bas. Nous devons entrer. Alors, il va falloir trouver un moyen de nous déguiser. Voilà, voilà. Visiblement, ils ont vraiment bien réfléchi à leur plan. Et Harry qui sort au milieu de la rue, comme ça, tranquillou. Genre... Ok. Bon, je pense que... Alors, avant toute chose, on va écouter... On va écouter le truc Potter Veil que j'ai récupéré. Rendez-vous déplaisant. Fume sec. Et je rappelle la dernière information importante du jour, une bien triste nouvelle pour les élèves de Poudlard. Ainsi que pour ceux qui aiment les cheveux propres, Severus Rogue a été nommé directeur de Poudlard. Nous recommandons à tous les élèves de tourner leur langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Car nous avons appris que Sinistrus Rogue avait fait appel au service d'un certain nombre de mange-morts pour s'occuper de la discipline au sein de l'école. Nous vivons une époque sinistre, et les élèves et professeurs de Poudlard ne sont pas les seuls à souffrir. Le nouvel ordre de la sorcellerie a également de graves répercussions sur le monde des moldus. Alors que les moldus ignorent tout de l'origine de leur souffrance, ils continuent d'essuyer de lourdes pertes. Cependant, nous entendons souvent des histoires remarquables de sorcières et de sorciers qui risquent leur propre vie pour protéger des amis et voisins moldus, sans que ces derniers ne se doutent de rien. J'aimerais encourager nos auditeurs à les imiter, en lançant par exemple des sortilèges de protection sur les maisons moldues de leur rue. De nombreuses vies pourraient être sauvées en prenant des mesures aussi simples. Et que répondriez-vous aux quelques auditeurs qui affirment qu'en ces temps dangereux, il vaut mieux penser aux sorciers d'abord? Je leur dirais qu'il n'y a qu'un petit pas entre les sorciers d'abord et les sans-pures d'abord. Ensuite, on passe directement aux mange-morts. Nous sommes tous des êtres humains, non? Chaque vie humaine a la même valeur et mérite d'être sauvée. Bien dit. Pour tous ceux qui rêvent d'un Poudlard sans mange-mort, et pour ceux qui pensent que les moldus doivent être protégés, protégez-vous les uns les autres, gardez confiance et soutenez Harry Potter. Oui, et nous vous suggérons également de continuer à montrer votre dévouement à l'homme à la cicatrice en forme d'éclair en écoutant Potter Veil. C'était le Potter Veil spécial dédicace à Alice, du coup. Voilà, sur le Rogue. Donc oui, je dois le suivre lui. Allez. Très bien, très bien. Super. J'ai récupéré une fiole. De polynectar en stupéfixant quelqu'un, c'est très bien. Ah, la Mafalda. Donc ouais, le jeu varie les moments bourrinage et les moments infiltration. Si on peut appeler ça des moments infiltration. Attention. Est-ce que tu crois que si je lance le stupéfix là, ça... Allez. Tu veux pas te casser, toi? La 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 la. Quoi? Ah oui, j'ai bien compris que c'était elle que je vais suivre, mais... Y'a quelqu'un, là?
crois que je dois balancer une potion d'obscurité? Ah, j'en ai qu'une, après c'est mort. Hein. Attends, il y a d'autres gens ou pas? Il y avait d'autres gens. Non, il y a d'autres gens, ils sont juste là. C'est chaud quand même. Bon, je tente. Hein. Non, la potion d'obscurité, c'était pas la bonne solution. Ok. Ah, elle est de retour. Je crois que j'ai manqué un peu de discrétion. Ok. Oui, ça fonctionne aussi. Ça s'appelle un peu du bourrage dans le tas, mais ah, visiblement c'est de l'autre côté que je veux partir. C'est où? Où dois-je aller? Ah. Allez. Albert Runcorn. Est-ce qu'il ressemble à Albert Runcorn vraiment? Putain, allez, redescends. Bon, je vais quand même essayer de le suivre jusqu'au bout, voir s'il s'isole comme Reg. Je pense que. Ouais. Attention. Non! Putain. Quand même Ron qui attend juste là. Genre, coucou. Il y a des gens qui sont en train de tirer. Oh mais putain, aussi. Allez. Merde. Oh, ils font chier aussi à battre avec les mains. Putain. Ok, tout va bien. On repart sur Albert Runcorn. Là, il y a beaucoup de gens qui vont se partout. Le réalisme, en tout cas, est à couper le souffle. Hein. Et autant graphiquement que dans le fait qu'il y a un type qui se balade avec une cape d'invisibilité qui ressemble à Harry Potter, qui a retiré sa cape d'invisibilité 14 fois dans la rue. Et genre, non, tout le monde a rien, tout le monde s'en fout.
Allez. Putain! Merde. Il y avait un coffre là-bas au bout. Ah ouais, bien vu. Avant pour récupérer une gazette du sorcier, il faut retirer son truc quoi. Faut retirer sa cape. Alors, est-ce que ce sera une gazette du sorcier intéressante? Allez, réponse tout de suite. Événement. Voilà, on en avait rien à foutre. Bon, je suppose qu'il faut que je retourne suivre. Ah non, il arrive. Oh, c'est merveilleux, je peux l'attendre ici tranquillement. Allez. Allez, mon petit Albert. Et donc 3 fioles de polynectar et tout va bien. Et bah, il est 23h, je pense que là-dessus ça va être une bonne heure pour se quitter. Je vais juste. Ce polynectar est vraiment immonde. Mais au moins j'ai pas un mono-sourcil géant, Harry. Entrons vite avant que les effets du polynectar s'estompent. Héron, évite. Ah, j'ai quand même envie d'aller voir l'intérieur du ministère de la magie. Une nouvelle déception s'offre à moi et je ne veux pas louper ça. Hop là. Visiblement, on a déjà plus besoin de se cacher, hein, comme on vous a remarqué ouais, dans le chat. Le secret magique ne semble pas très très fort respecté. Ah, est-ce qu'on s'arrête maintenant? Ouais, on va s'arrêter maintenant. Allez, je laisse la dernière cinématique. Et là, on reprendra la suite une prochaine fois. Non, je vous laisse la cinématique, on parlera après une fois que c'est fini. Profitez de ces bruitages quand même exceptionnels. Quelle animation! Vous avez vu ces manches morts? J'ai aucune envie qu'ils me repèrent. Ok, on va s'arrêter là-dessus. Je vais. Hop là. Quitter. Ouais, je pense que la progression actuelle, il y a eu un chargement là. Hein. On est d'accord. Allez. Je relance pour vérifier quand même que j'ai pas fait une connerie. C'est toujours bon de relancer après pour vérifier qu'on a pas fait une connerie. C'est bon. Ok. Et donc je suis au niveau 6. C'est super. Donc je vais diminuer le son un peu pour vous parler rapidement. Parce que vous n'avez pas. Et moi, je vais le retirer de mes oreilles. Ah, quel soulagement!
Donc on est voilà, on va se quitter là-dessus. On a fait donc une bonne première partie de sur Harry Potter 7.1. Je vous promets, je vais continuer à le masochisme. Je vais continuer à découvrir ce jeu, à l'explorer jusqu'au bout. Je sais pas si je le ferai à 100% parce que je vais pas refaire des niveaux pour découvrir si j'avais oublié des coffres quelque part. Hein. Faut pas non plus abuser. Mais en tout cas, je vais aller jusqu'à la fin du jeu. Et puis on fera le 7.2 aussi. Donc on va continuer ça de toute façon dans les lives. Dans les lives, très prochainement, vraiment très prochainement, on va construire toujours la grosse Edwige Lego. Voilà, aujourd'hui c'était un live un peu particulier parce qu'il n'était pas prévu. Là, j'ai un impondérable qui fait que je vais avoir un peu plus de temps pour des lives. Donc il y en aura peut-être plusieurs. Cette semaine qui vont arriver, on essayera de vous tenir au courant mieux que pour celui de ce soir de toute façon. De toute façon, quand vous ratez un live, n'oubliez pas que vous pouvez toujours les retrouver en rediffusion dès le lendemain, 24 heures plus tard, sur la chaîne YouTube de la Gazette du Sorcier. Mais on les reposte également sur notre Discord externe. Si vous faites partie du Discord externe, n'hésitez pas à nous rejoindre ça, si ce n'est pas encore le cas. Petit rappel, la coupe des 4 maisons du Discord externe reprend dans une semaine tout pile, hein, le 1er octobre. On a aussi hâte de lancer tout ça ensemble. Est-ce que j'ai tout dit? J'ai, je crois, à peu près tout dit. Alors, le matériel de la Gazette s'est encore amélioré pour ce live. Je vous montre, hop là, sur le côté. Maintenant, on a des magnifiques lampes, des magnifiques lampes porte-parapluie, enfin des parapluies de... Voilà, bref, pour que mon fond vert soit plus fond vert et qu'il n'y ait plus du tout de petites interférences, que moi, je ne sois pas transparent non plus. Bref, les lives montent encore d'un niveau. Si vous voulez soutenir ça et qu'on puisse encore se développer et améliorer la qualité de nos lives, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee, sur Twitch, sur tout. Ou si vous n'avez pas les moyens de nous soutenir financièrement, on comprend tout à fait, mais simplement en parlant de notre contenu, en commentant, en likant sur nos réseaux sociaux, en nous suivant sur Facebook, Twitter, Instagram. Bref, comme d'habitude, voilà, ça nous fait toujours très plaisir. N'hésitez pas même juste à nous envoyer des petits MP aussi. Nous, on prend toujours, que ce soit des critiques, hein, ou des remarques constructives, évidemment, toujours, ou simplement que vous êtes heureux de notre contenu, mais vous lire nous fait toujours plaisir. Donc, voilà, on se retrouve très prochainement pour d'autres lives, comme je vous l'ai dit, soit pour continuer, soit pour faire du Lego, soit on a toujours donc, le live House of Gaunt aussi qu'on doit redécaler dès qu'on trouvera un moment pour fixer ça avec Jean Rhys, le réalisateur du fan film House of Gaunt. Et puis en attendant, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas louper une seule information. Évidemment, on va bientôt reparler des Animaux Fantastiques, hein. On a eu le titre qui a été dévoilé là, donc on va déjà commencer nous de notre côté à réfléchir sur ce qui peut potentiellement signifier. Et puis de toute façon, on sent que c'est le début des annonces qui arrivent, hein, pour un film qui va être finalement avancé à avril 2022. On sent que la période va être propice à des annonces dans les semaines à venir. Donc, on a hâte d'en savoir plus et évidemment d'en discuter avec vous. Il y aura certainement aussi un live Twitch qui sera dédié à nos théories, à notre analyse de la bande-annonce, Animaux Fantastiques 3, etc., etc. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Et puis, salut les sorciers!